au nom de tous mes collègues membres du groupe parlementaire PRD Union fait la nation, je vous souhaite une belle et heureuse année 2013. La paix du cœur et une santé robuste. Je souhaiterais tout d'abord remercier très chaleureusement les maires, les adjoints aux maires, les chefs d'arrondissement, les conseillers municipaux ou communaux, les chefs de quartier de ville ou de village, tous les élus locaux pour le travail particulièrement brillant qu'ils abattent pour le bien-être de nos vaillantes populations et sous l'égide des différentes structures de notre parti, le Parti du Renouveau Démocratique. Je veux nommer les membres de la direction exécutive nationale du parti, du bureau politique, les responsables des sections, des sous-sections et des cellules de base. À eux tous, je souhaite, au nom de mes collègues parlementaires, bonnes et heureuses années. Plus de persévérance dans l'action politique et dans l'enracinement de notre parti, qui non seulement est un groupe politique de masse, mais surtout une famille. Oui, une famille. Une famille dont vous êtes le père, Monsieur le Président. Ce père qui rassemble et qui, surtout, rassure. Je souhaiterais que nous ayons tous une pensée particulière pour nos frères. Tous ces dévoués militants qui nous ont quittés au cours de l'année 2012. Que la terre leur soit légère. Monsieur le Président, la cérémonie des vœux est un rendez-vous très important. C'est en effet l'occasion pour nous tous de porter un regard rétrospectif sur l'année 2012 et de poser de nouveaux jalons pour 2013. 2012 fut une année particulièrement éprouvante pour les Béninois, à la fois sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan politique. C'est une année qui a été très difficile pour notre peuple qui ploie sous le coup de la misère rampante et qui peine à survivre. Cette situation est accentuée par la grave crise financière qui fouette toute la planète. 2012 a été aussi une année d'intense activité pour le PRD sous la direction éclairée de son guide emblématique que vous êtes. Vous qui n'avez ménagé aucun effort pour conduire minutieusement à terme les différents chantiers ouverts. Et ceci malgré votre agenda particulièrement chargé. Monsieur le Président, dans une démarche républicaine, vous avez su imprimer à notre parti le rythme nécessaire pour une gestion efficace des différentes activités dans le cadre du renforcement de la démocratie, de l'état de droit et du développement économique du Bénin. Nous en voulons pour preuve que les multiples activités organisées et menées à bien, à ce titre, nous pouvons citer le séminaire des cadres du parti sur la révision de la Constitution, l'atelier sur la correction de la LEPI, suite à l'initiative du parti de mettre tout en œuvre pour contribuer à doter notre pays d'un fichier électoral fiable, l'organisation d'une université de vacances avec la participation de tous les acteurs politiques. Il sied ici de souligner que notre parti a réussi l'exploit inédit de faire plancher deux membres du gouvernement, de même que des cadres chevronnés de l'administration publique. Et il n'est pas exagéré de dire que cela ne serait pas possible sans votre leadership plus que jamais affirmé. Monsieur le Président, toutes ces rencontres de donner et de recevoir ont permis de faire des propositions concrètes, consignées non seulement dans des rapports, mais aussi de présenter à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur la correction et l'apurement de la LEPI, ce qui a permis de déclencher des actions ardues à tous les niveaux de l'État. En tant que parti de l'opposition, soucieux du développement harmonieux de notre pays, notre parti est resté au cœur de plusieurs réformes en faveur de notre peuple. Aucune réforme économique pertinente ne peut s'opérer sans une réforme politique préalable. Et c'est pour cette raison que depuis quelques mois, le PRD se permet de s'associer à toutes les initiatives
de l'opposition ou de la mouvance qui concourent à l'assainissement de tous les secteurs de la vie dans notre pays. Monsieur le Président, c'est encore grâce à vous, à vos fructueux échanges avec le chef de l'État, rencontres parfois incomprises, que nous réussissons à débloquer bon nombre de situations au Parlement. La parité dans les organes de la correction de la LEPI a été une demande du PRD. Nous avions souhaité que les 21 députés de l'opposition aient 5 membres, au même titre que la soixantaine de députés de la mouvance dans l'organe politique de gestion de la LEPI. Vous avez réussi, Monsieur le Président, par consensus, à faire entériner par la représentation nationale la répartition des 9 parlementaires à désigner dans le Conseil d'orientation et de supervision, suivant une approche quasi paritaire de 5 et 4 membres respectivement pour la majorité parlementaire et la minorité parlementaire. Soulignons que déjà, une parité intégrale a été retenue au niveau des communes. C'est dans la même veine qu'avant la démission d'un député élu PRD du groupe parlementaire PRD Union fait la Nation, démission annoncée par sa sortie du parti qui lui a tout donné, vous avez pris toutes les dispositions pour que par solidarité parlementaire, le groupe parlementaire PRD Union fait la Nation continue d'exister. Chers militants à divers niveaux, en votre nom, je dis un sincère merci au président Adrien Oumedji. Monsieur le Président, outre les lois portant autorisation de ratification des accords de prêt pour le financement de nombreux projets de développement au Bénin, plusieurs lois d'intérêt pour nos citoyens ont été étudiées et adoptées à l'Assemblée nationale, notamment le Code de procédure pénale, le Code foncier et domanial, pour ne citer que celles-là. Monsieur le Président et chers amis militants, les perspectives pour 2013 sont multiples et variées. Au plan parlementaire, la production législative sera orientée vers l'étude de certaines lois en faveur du peuple, à savoir la loi sur les unités administratives locales, une première dans l'histoire du Bénin, la loi sur la fixation des centres de vote en République du Bénin, le statut de l'opposition, ils en passent. Ceci nous permet d'aborder l'épineuse question des élections communales 2013 et pour nous, et surtout de récupération. Je vous invite à perdre de vue que leur valeur et leur audience ne tenaient notre détermination à relever ces nombreux défis pour que triomphent les idéaux du parti et de son leader charismatique que vous êtes. C'est le lieu de rappeler aux différents élus du parti leur devoir d'honneur. C'est le lieu de rappeler aux différents élus du parti leur devoir d'honneur. Il convient ainsi que chacun de nous intègre dans sa logique qu'il est en mission pour le parti et qu'à ce titre, il doit se rendre disponible et veiller à l'application stricte des orientations de notre parti. Avant de mettre un terme à mon propos, je voudrais une fois encore réitérer mes meilleurs vœux au président Adrien Oumedji. Que la Providence vous comble de ses grâces, Monsieur le Président, et qu'elle obtienne pour vous tout ce que vous désirerez pour cette nouvelle année. Je voudrais vous demander de continuer à prier pour nous qui sommes autour de vous, malgré nos défauts et contradictions, afin que nous continuions à cultiver la paix comme vous l'apprenez chaque jour, l'amour et la fraternité. Pour vous, chers responsables et militants, je souhaite une année de paix, de succès et de persévérance, afin que Dieu ait perdu les idéaux de notre parti. Que Dieu protège notre leader, Maître Adrien Oumedji, et bénisse le Bénin. Je vous remercie. De nous retrouver autour de vous
en début d'année pour sacrifier à la cérémonie de présentation des vœux. C'est un plaisir particulier pour moi, à qui ai choisi le devoir de mobiliser mes camarades, pour donner à la cérémonie la dimension qui correspond à votre personnalité. C'est aussi un honneur pour moi de prendre la parole au nom de ces braves militants que vos idéaux continuent de charmer. Leur présence massive ici est l'expression de ce charme-là. Permettez, Excellences, Monsieur le Président et chers amis, que je commence par remercier le Seigneur Tout-Puissant pour nous avoir maintenus en vie et le prier de continuer de répandre sa grâce sur nous. Je vais ensuite remercier Maître Adrien Oubedji pour son courage militant qui continue de nous faire rêver, car la politique, c'est aussi l'art de faire rêver. Mais nous savons tous que la réalisation des rêves ne relève que de la seule volonté de Dieu. Et nous savons aussi que Dieu est avec nous, car nombre de vos actions, Monsieur le Président, ont favorisé des avancées démocratiques significatives dans notre pays et nous ont évité bien des écueils. Vous avez toujours préféré le dialogue à l'affrontement. Vous n'avez pas toujours été compris, mais souvent, les faits vous ont donné raison après coup. Soyez-en convaincus, la postérité vous en saura gré. Excellences, Monsieur le Président, les résolutions et les recommandations issues de notre troisième congrès ordinaire ont induit dans notre parti une nouvelle dynamique politique. Ainsi, avec votre appui et votre engagement, la direction exécutive nationale a organisé des journées de réflexion sur des sujets d'actualité et d'intérêt national tels que la journée de réflexion sur le décret numéro 2009-548 du 3 novembre 2009 portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Le séminaire de réflexion sur la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, qui a fait des recommandations assorties d'un calendrier et d'une proposition de loi sur la correction de la dite liste. La tenue de l'université de vacances de septembre 2012, au cours de laquelle des experts et ministres du gouvernement encore en poste ont planché sur des thèmes qui défrayaient la chronique, notamment organisation des filières agricoles, cas du coton au Bénin, évolution et perspective du programme de vérification des importations nouvelle génération, PVING. Excellences, Monsieur le Président, le Parti du Renouveau démocratique est désormais un parti de l'opposition pour avoir rempli les formalités et fait officiellement la déclaration conformément aux décisions issues du troisième congrès ordinaire des 9 et 10 février 2012. Depuis lors, vous vous êtes impliqué corps et âme dans toutes les activités politiques pour imprimer une plus grande visibilité au parti. Je voudrais dire que sous votre conduite, la direction exécutive nationale fait désormais preuve d'objectivité, d'esprit critique, formule des solutions alternatives et de ce fait, notre parti participe à la préservation de la paix et à la construction de notre nation. Vos différentes rencontres avec le président de la République en sont des témoignages éloquents. Le parti a posé, au cours de ces deux dernières années, des actes politiques qui ont renforcé la crédibilité du parti au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Au nombre de ceux-ci figure en bonne place la proposition de loi issue de notre séminaire de réflexion sur la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, qui est celle en partie adoptée à l'Assemblée nationale, ainsi que nombre de recommandations que nous y avions formulées. Je ne dois pas oublier de dire
que l'incompréhension au sein de nos représentants au conseil communal, au conseil municipal de Porte-Novo est en voie de règlement. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous dire, sinon, vous rassurer du soutien des militants. Ils ont manifesté avec enthousiasme leur adhésion à cette nouvelle vision au cours de la tournée d'information et de sensibilisation de nos structures organisée par la Direction exécutive nationale. Ils sont déterminés à renouveler les structures et à renforcer l'assise du parti sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Président, nous abordons une nouvelle année, l'année 2013, celle des élections municipales, communales et locales. Nous mesurons bien la complexité et les risques que cela comporte et notre formation politique a assumé sa part de responsabilité dans les dispositions pour les minimiser. Nous continuons de travailler pour accroître notre surface électorale. Prions le Seigneur qu'il fasse en sorte que notre démocratie en sorte grandie. Je souhaite que notre formation en sorte plus forte et plus crédible. Je souhaite que notre président en sorte plus rayonnant et plus fier. Messieurs les membres de la Direction exécutive nationale, messieurs les membres du bureau politique, messieurs les présidents des sections, honorables députés, messieurs les maires, chers militants, nous devons nous battre tout en faisant preuve de discipline, de patriotisme et d'engagement politique. L'année 2013 doit être pour nous l'année d'une prise de conscience pour rendre les structures de base plus fonctionnelles et plus efficaces conformément aux décisions issues du dernier congrès ordinaire du parti tenu en février 2012. L'année de fortification d'un esprit patriotique à travers une formation politique soutenue et qui doit se manifester par une participation financière, physique et morale des uns et des autres aux activités du parti, comme l'a recommandé le même congrès ordinaire de février 2012. Plus globalement, je souhaite que l'année 2013 vous comble, vous, messieurs les présidents, monsieur le président, vous m'excusez, votre épouse, votre famille et tout votre entourage, de tous les éléments qui permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. À chacun de vous qui avez fait le déplacement pour rehausser la cérémonie, je souhaite que 2013 vous comble de joie, de santé et apporte la paix autour de vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers amis, d'avoir à honorer de votre présence cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci, Monsieur.